Je pratique la photo au sens large, vraiment au sens vraiment large du terme. C'est-à-dire, ça peut être le paysage, ça peut être faire un peu de photos, de portraits, mode de temps en temps, j'aime bien, mais ça c'est plus récréatif. Mais de plus en plus, j'essaie d'axer mon travail vers un axe plus artistique. J'axe mon travail sur l'humain, sur la personne, sur la silhouette humaine, sur les portraits. Là, actuellement, je suis sur une série de portraits, mais autrement, j'aime toucher à tout. J'aime pas me cantonner à un type de photo en particulier, même si naturellement, ça glisse vers tout ce qui est portrait, mise en scène, vers le portrait pur, classique, ou vers le narratif. Alors, la séance photo à laquelle tu as assisté, en fait, rentre dans le cadre d'un projet que j'appelais Portraire. Portraire, qui veut dire en vieux français, tirer le portrait d'une personne de manière naturelle. Le rendu que je veux avoir de ces portraits-là est dans cet esprit-là. C'est-à-dire quelque chose de très naturel, sans fard. Il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas d'accessoires, pas de chapeau, pas de lunettes. Tout est naturel. Les corps sont dévoilés jusqu'à hauteur d'épaule. Et à côté de ça, je veux avoir quelque chose de très sophistiqué dans le rendu. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé avec beaucoup de lumière pour avoir ce rendu très naturel. Donc en fait, le naturel servi par la complexité. Il n'y a pas d'ombre. Donc on n'a aucun trait qui est mis en avant. C'est le corps dans son ensemble. Sur support Polaroid, qui pour moi reste un support de prédilection, de par sa plastique, sa profondeur du rendu, au niveau du rendu, et son instantanéité. C'est-à-dire que à partir du moment où je fais la photo, quelques minutes après, j'ai déjà le résultat. Le numérique le permet aussi, mais le Polaroid ajoute en plus ce côté plastique, ce côté que je ne maîtrise plus du tout, parce que là, c'est le Polaroid qui fait son travail, et c'est ça que j'aime, et c'est pour ça que cette série-là est faite sur ce support-là. C'est un effet peinture, parce qu'en plus, le Polaroid que j'utilise n'est plus fabriqué depuis plusieurs années, et ces films-là sont notamment périmés depuis à peu près 6-7 ans. Et après, voilà, le côté couché sur du papier glacé donne ce côté un peu vieille photo, parce que les couleurs ne sont plus du tout fidèles à ce que l'œil voit, et c'est ça qui m'intéresse. Quand je pratique la photo à la chambre, le hasard, il n'a pas forcément de place. Si tu loupes une séquence dans le processus, tu n'as rien sur la photo. Soit tu t'oublies de sortir le rideau, soit tu oublies de faire la mise au point. Après, moi, mon travail, il est fait, je laisse faire Polaroid. Chaque portrait, c'est accompagné de 20-30 minutes de dialogue. Voilà, on parle. Qui est la personne, qui je suis moi. Voilà, on échange par rapport à ça. Et donc, chaque histoire, pour chaque portrait, j'ai une histoire derrière. J'ai un moment, entre guillemets, intime avec la personne, parce qu'on s'est raconté pendant l'heure ou l'heure et demie qu'a duré la séance, quoi. Et ça, c'est intéressant, quoi. Le paysage ne me parle pas. Alors, je ne pourrais pas dire pourquoi. Un beau paysage, je le vois, mais je ne vais pas forcément l'imaginer en tant que photo. Les natures mortes, c'est pareil. Je vois un objet, il est beau en tant que tel, mais je ne le vois pas en tant que photo. Une personne, quand je la vois, je l'imagine en photo. Des fois, il y a des coups de cœur photographiques où je dis, lui, il faut que je l'aie en photo. Je vois la photo, je vois quelque chose, voilà, capturer quelque chose de cette personne-là.